Les amis, on vous l'avait promis, et tout au long de cette semaine, des interviews avec vos acteurs, actrices préférés de vos séries, du cinéma, de la télévision et du théâtre. Bienvenue au Festiobagne, le festival des comédiens et des acteurs. C'est encore jusqu'au 2 mai 2023, les amis. À Aubagne, c'est génial. Il y a plein de monde, il y a plein de copains. Et ce soir, c'est Tonton Edouard. Exactement, ce soir c'est l'avant-première de Tonton Edouard à Aubagne à 7h30. Alors je pense que vous avez filmé le cinéma avec l'affiche et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Et la salle est pleine, ça fait 300 personnes, donc je suis très content. On est tous très contents parce que, comme je le rappelle, Tonton Edouard, c'est un film de copains, un film collégial, et où on s'amuse, où on retrouve un petit peu l'humour vintage de l'époque de Lautner. Voilà, donc j'espère que ça va plaire, on va être attentifs. Qui c'est Tonton Edouard ? C'est moi. Il y a aussi Rafi. Il y a mon Rafi. Alors là, Rafi se repose parce qu'il va avoir une soirée un peu hard, parce qu'il va monter les marches. Enfin, il n'y a pas de marche, mais enfin, il va faire le tapis rouge. Il va assister au film. Et puis, comme aux autres en première, c'est lui qui a beaucoup de succès. Donc les gens veulent voir Rafi faire des photos avec Rafi. Il a pris goût, hein ? Ah, il a la tête un peu. Enfin, bon. Les projets pour 2023-2024 à venir, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ? Alors, j'ai deux projets de long métrage. Un franco-anglais et un autre du côté de à Biarritz. Mais comme tous les projets, on verra. Non, là, on est un peu sur la lancée de Tonton Edouard jusqu'en juin, jusqu'au festival du Cap d'Agde. Ensuite, je pense qu'il va être vendu sur une plateforme. Et à ce moment-là, on fera une suite de Tonton Edouard, puisqu'il y a un scénario qui est assez, comment dire, fourni pour continuer l'aventure avec toute l'équipe. Voilà. Merci, Michel. Merci à Télésud. Au revoir. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner, le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. A très bientôt les amis, et surtout restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.